Moi, personnellement, je suis choquée. Choquée de savoir jusqu'où nos sœurs vont ou peuvent aller pour de l'argent. C'est assez déplorable. Il faut noter que la vie de nos jours est un peu difficile, on comprend ça, mais il ne faut pas s'adonner à ce type de pratique pour pouvoir avoir des sous. C'est malsain, je trouve. Et franchement, je suis choquée, en fait. D'accord. Poupée du Togo, dis-nous finalement si tu es vraiment en couple avec le petit Zizou. Non. C'est qui le petit Zouzou? Je ne Mais oui, suis on pas veut en couple savoir. avec Zizou. Et Zizou, c'est qui alors finalement? Merci beaucoup pour la question. Zizou, c'est Zizou. Ah non, 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 non. C'est un TikToker. C'est un Non, non, non. TikToker aussi. Ah, Zizou, c'est un TikToker. Oui, mais il est beaucoup plus sur Facebook. D'accord, il est togolais aussi. Je ne suis et je n'ai jamais été en couple avec Zizou. Il vous a dragué? Non. Hey! Pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous me regardez aussi? Attendez. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. Très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Oh. Stéphanie Massot, bonsoir. Bonsoir Julie. Vous savez pourquoi je ris? Pourquoi? Parce que cette main dans la tête dit, mais qui est Stéphanie Massot? Mais oui, vous avez bien entendu. Stéphanie Massot alias Madame Cooper. Bonsoir. Bonsoir Madame Cooper. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Okay. Alors, bon, on va vous appeler Madame Cooper. Vous préférez quoi ce soir? Stéphanie ou Madame Ce soir, je préfère Madame Cooper. Madame Cooper. Exactement. Vous aimez bien garder, vous restez Exactement. Dans le personnage. Ouais. Pourquoi Madame Cooper? Alors, tout simplement parce que c'est un nom d'emprunt que j'apprécie beaucoup. On va dire qu'étant plus petite, il y avait une série qui passait, je ne sais pas trop, sur une chaîne de télé. Et apparemment, il y avait une dame dedans qui s'appelait Cooper. Et on trouvait que j'avais un tout petit peu son comportement. Du coup, on m'a donné le nom que j'ai gardé jusqu'à présent. Elle incarnait quel rôle? Ça dépend aussi. Hein. Quand on parle de C'était une comportement, il femme faut pleine savoir. de vie, très, très ambitieuse aussi, qui avait la joie de vivre et partageait le bonheur autour d'elle en famille. Je pense que c'est par rapport à ça qu'on m'a caractérisée de Madame Cooper. Ouais. Donc, toute petite, on vous appelait déjà Madame Cooper. On m'appelait Cooper. D'accord. Maintenant, plus en grandissant, je suis devenue une femme. Voilà, je suis maintenant Madame. Du coup, j'ai mis Madame à côté. Madame Cooper est mariée. Elle est mère d'un enfant, un magnifique garçon. Oui. Vous êtes responsable administrative et financière dans une société civile immobilière de la place. Oui. Et l'aventure sur TikTok, c'est depuis 2019. Exactement. Une folle aventure. Une folle aventure sur TikTok. Oui. En 2019, effectivement, on parle de Covid. Il y a ce besoin-là de se divertir. Il y a ce besoin de découvrir de nouveaux horizons. Alors, je télécharge l'application parce que je voyais des amis poster des trucs et tout. Je me dis, ouais, pourquoi ne pas essayer? Et quand je commence à télécharger l'application, je regarde. Je trouve ça très intéressant. Et je commence avec des reprises, en fait. Et je me suis inspirée de beaucoup de personnes, en l'occurrence Valérie Amougou, parce que je trouvais son langage un peu cru et j'appréciais sa façon de parler. Et je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas faire des reprises? Et après, j'ai décidé de faire des contenus personnalisés qui ont pris vraiment feu. Et franchement, là, je me suis dit, OK, on y va, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Donc, vous comptez le faire pendant beaucoup de ouais, temps encore, ouais. ou alors le plus de temps possible, le plus de temps possible, autant plus que c'est, je vais dire quoi, c'est pour moi une façon de me divertir, de m'éclater. Donc voilà, tant que ça contribue à mon bonheur, je lâche pas. En même temps, ça fait du bien quand même quelque part. Exactement, bien sûr, financièrement, ça. Financièrement, bien sûr, bien évidemment, sinon. ouais. D'accord. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Et on comprend aussi qu'on peut très bien être TikTokeuse, avoir une vie de famille. Exactement. On veut bien savoir, Madame Cooper, comment votre époux, bien que vous voulez le garder quand même secret, on n'a pas cité son nom ici, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous bien écoute sûr. Et qui dit, j'espère que Madame Julie ne va pas prononcer le nom. Elle ne m'a même pas donné votre nom, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien au secret. Pourquoi il tient à rester secret?
Bah, tout simplement parce que, contrairement à moi qui suis une personne extravertie, oui. lui, c'est quelqu'un d'assez introverti et qui n'aime pas le feu des projecteurs et tout. D'accord. Donc, c'est quelqu'un d'assez discret, ce oui. que j'apprécie énormément. Oui. Et du coup, on s'est dit, voilà, toi, tu restes dans ton coin en mode incognito. Et moi, je reste dans mon monde public. Et ouais. puis, ça marche très bien. Alors, donc, ouais. À la maison, comment vous vous organisez? Alors, pour le moment, on ne vit pas ensemble. On entretient une relation à distance. D'accord. Le matin, ça se passe comme normalement, hein, comme vous, j'ai envie de dire. Je me lève, j'apprête mon fils pour l'école, je le laisse. Et ensuite, moi, je vais au boulot. Entre-temps, avec monsieur, on se fait des messages, on se fait des appels vidéo. Le soir, quand je rentre, répète avec le petit pour l'école. Je mange, j'appelle monsieur, on passe des heures au téléphone. Voilà, pour faire un petit récap de notre journée. Et puis, on s'endort comme ça. Et il arrive, enfin, vous arrivez à le rassurer malgré vos milliers de followers? Oui, je comprends que c'est un peu difficile pour lui. Parce qu'il faut dire que la base de notre relation, franchement, c'est la confiance. Je pense que s'il ne me faisait pas confiance, il ne m'aurait pas épousée. En plus, c'est une vieille histoire. Exactement, c'est une très, très vieille histoire. Donc, voilà, je fais le maximum pour le rassurer, pour lui dire que voilà, il n'y a rien à craindre. Je suis une épouse... normal, il ne faut pas qu'il s'intéresse à ce que je fais sur les réseaux sociaux. En fait, qu'il ne prête pas trop attention à ce que je fais sur les réseaux sociaux. De toute façon, il a compris. Il a compris que c'est dans un but très précis qui est de pouvoir rentabiliser, de pouvoir avoir des sous. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà mon boulot aussi qui me donne des sous. Donc, et ça contribue effectivement à mon épanouissement. Et vu qu'il m'aime, il souhaite que je sois épanouie. Et si c'est ce chemin-là qu'il choisit pour être épanouie, bah, ça l'arrange. Donc voilà. D'accord, Cynthia. Alors la parole est à qui va la prendre en premier lieu? Moi. Oui, Madame Cooper. Moi, franchement, je suis choquée. Bon. Je suis choquée de toutes ces étiquettes qu'on nous colle, hein. Nous, TikTokers. À vrai dire, j'ai pas envie de dire que je me qualifie de TikTokers. J'ai déjà un travail. Voilà, j'ai une profession légale. TikTok, pour moi, c'est au départ juste pour m'amuser, pour me divertir, comme je voulais expliquer. Pour le dans fun. Pour le fun. Et je prends le temps toujours de taguer sur chacune de mes vidéos un hashtag pour mentionner Just for Fun. Comme pour dire, c'est juste pour m'amuser, c'est juste pour m'éclater. Bon, alors, dernière actualité avant de commencer les messages. J'ai vu, bon, en plus qu'on parle d'influenceuse avec tout ce qui se passe ces derniers temps, on parle de Dubaï, on parle de ce que certaines femmes vont faire à Dubaï. Ouais. Comment vous réagissez face à tout cela? Je commence par vous, Madame Cooper. Ah, moi, personnellement, je suis choquée. Choquée de savoir jusqu'où nos sœurs vont ou peuvent aller pour de l'argent. C'est assez déplorable. Il faut noter que la vie de nos jours est un peu difficile, on comprend ça, mais il ne faut pas s'adonner à ce type de pratique pour pouvoir avoir des sous. C'est malsain, je trouve. Et franchement, je suis choquée, en fait. D'accord. Donc, Madame Cooper est morte. On ne connaît pas les causes. D'autres parlent de tumeur de cerveau. Et certains contestent cette hypothèse. Ses plus proches parlent de tumeur d'empoisonnement, la nouvelle maladie en Afrique, due par la jalousie. Pour information, Madame Cooper avait eu son visa pour voyager vers la Suisse. Madame Cooper, son chéri, Monsieur Cooper, ne résidait pas au Cameroun. C'est un Suisse. Et Madame Cooper s'est mariée dans l'une des mairies, dans l'une des villes au Cameroun. Donc, Monsieur Cooper a tout fait pour le regroupement familial pour que Madame Cooper et son fils montent en Suisse. On ne dit pas tout aux entourages. On ne dit pas tout à sa meilleure copine. D'ailleurs, l'expérience de la vie nous a toujours montré que il n'y a plus de meilleure copine. Celle que tu dis aujourd'hui, demain, c'est elle qui va te tendre le piège et tu tomberas. Personne ne quittera dehors pour venir t'éteindre. C'est toujours tes plus proches. Ton ennemi est toujours près de toi. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Ne dites pas tout aux gens. Et il n'y a pas de meilleur copain, pas de meilleure copine. Mes sœurs,
que personne ne vous mente. La vie d'aujourd'hui, vu tout ce que le monde de la nouvelle génération démoniaque, diabolique que nous vivons aujourd'hui, ça nous a prouvé que ta famille, c'est ton mari, c'est ta femme et vos enfants, ta maman, vos parents. Les frères et sœurs, allô, oui, bonjour au téléphone. On se retrouve quand il faut. On mange ensemble en fin d'année. Mais des meilleures copines, ça n'existe pas. Car ces meilleures copines ne sont qu'une contribution pour l'extinction de notre vie sur Terre. C'est ce que vous, les hommes et vous, les femmes, vous devez graver dans vos mémoires. Arrêtez des fréquentations naïves, bêtes, qui vous empoisonnent, des fréquentations toxiques, qui ne vous rapportent rien. Tout au contraire, des fréquentations qui coûtent votre vie plus tard. À très bientôt. Hugo de Lyon, partageons tous ensemble cette vidéo pour que on continue à sensibiliser des prochaines victimes. Les gens qui ont montré leur amour après le décès d'une personne. Pardon, quand Dieu va me prendre là, si de mon vivant, tu ne m'appréciais pas, tu ne me félicitais pas, tu ne me complimentais pas, tu ne trouvais pas que j'avais des qualités, de grâce, passe comme un taxi plein. Je ne veux pas voir de témoignages, je ne veux pas voir de belles paroles du style « c'était une bonne personne, je m'inspirais d'elle, je l'appréciais beaucoup. » Laisse-moi aller au paradis ou en enfer en paix. » Vous avez cette habitude-là de ne pas apprécier les gens de leur vivant. Les gens font des choses, posent des actions que vous pouvez féliciter, vous pouvez complimenter, mais par simple et pure jalousie, vous ne le faites pas. Et quand la personne décède, comme vous savez que ce n'est plus un potentiel concurrent, là vous venez avec l'hypocrisie. Gardez votre hypocrisie pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Il y en a marre des hypocrites. Alors, le message que j'ai à passer à la jeunesse, parce que je vois que c'est cette catégorie qui a été beaucoup plus mise en avant tout au cours de cette émission avec les reportages et tout, c'est que restez vous-même, soyez vous-même, soyez des personnes spéciales et faites ce qui vous plaît. Ayez des orientations qui vont vous permettre de développer votre savoir-faire, qui vont vous permettre d'être une entité particulière. Et surtout, restez positif. Si vous avez quelque chose à faire, n'écoutez pas les personnes qui seront là pour vous démotiver. Restez optimiste et allez de l'avant. Merci à vous, Madame Copper. Merci également à vous, Poupée du Togo. Et à vous, Ngonetoun, très bon retour. À Yaoundé, merci d'avoir fait le déplacement et surtout d'avoir accepté notre invitation. Prendre soin de ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille.